ça a mis de l'angoisse. Non, ça y est, on rigole parce qu'en fait, on s'est raté sur la première. Oui, donc vous avez encore du bêtisier pour l'an prochain. Hein, pour oui, on aura du bêtisier. Aujourd'hui, nous allons découvrir le film Scars. De 2008. Réalisé par John Guinness. 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 N'hésitez pas à nous dire, hein, si vous avez. Par John. Voilà. Qui a réalisé Exit Humanity. En 2011. Je sais qu'il existe en 2010, celui-là. Hellmouth. En 2014. Que donne envie. Au niveau des acteurs, alors. Des acteurs. Alors, je ne sais plus lequel, mais je sais qu'il y a des acteurs. C'est un réalisateur. Pour qui ce réalisateur, j'ai joué dans les films, les deux d'accord, se donnent des coups de main. Ils s'interchangent. Un coup, l'acteur est le réalisateur. Un coup, le réalisateur devient acteur. D'ailleurs, des acteurs, il y en a un que je crois que c'est lui qu'on n'a pas trouvé de photo, qui est un blond, qui joue oui, très alors, bien. On a quand même quelques soucis vis-à-vis de celui-ci pour trouver des informations. Mais, ça un petit mais peu je vais vous mettre une photo, parce que pour moi, il ressemble. Je vous mets une photo de Stephen Bradbury. Voilà, donc en fait, essayez de vous imaginer le mec qui ressemble à ça. Il ressemble à ça, un patineur qui a eu un cul et qui a gagné la médaille en étant toujours dernier. C'est, oui, parce que tous les autres sont partis en avance, je crois. Non, ils sont tous cassés la gueule. Ils sont tous d'accord. Alors, acteur, on a... Jesse T. Cook. T. Cook. C'est mignon comme tu dis. Qui a joué dans Septic Man. En 2013. Qui me donne envie, je crois qu'il est trouvable. Monster Ball en 2011, disponible sur la chaîne The Award en 2018, pas comme le prix, hein. Avec un H. Et en acteur, nous avons également Steve Warren, comme les époux. Je crois que c'était un A, alors un M à l'envers. Steve Warren, qui est joué dans One Missed Call. On commence à fatiguer. En 2008. En 2008, pardon. Big Mama de père en fils, donc le troisième volet. En 2011. Ça me fait toujours marrer. Un peu. Et sans plomb. Alors le sang comme du sang. Hein. Oui. En 2007. 2007, il sera sur la chaîne aussi. C'est très con. On n'a plus d'essence, on prend du sang de voiture. Un peu chaud. Voilà. Alors. Donc. Pour ce qui est du soir. Donc, Scars. Dépeint le sort horrible de trois snowboarders perdus et piégés dans une tempête qui se réfugient dans une cabane forestière isolée appartenant à deux chasseurs locales avides de chair humaine parvenant à s'échapper. Une course aux poursuites s'engage dans le désert glacé. Il est très bizarre ce synopsis, moi c'est pas. Donc en fait, oui, voilà, la base, encore des ados, des jeunes adultes, on va dire. Oui, ou plutôt, oui, là, ils ont voilà, la trentaine. Qui viennent faire du hors-piste, qui se perdent parce que la tempête arrive, et malheureusement, quand ils trouvent enfin une cabane pour se... Bah oui, parce qu'ils foutent leur... Oui, ils se plantent avec leur voiture, mais ils se plantent avec leur voiture parce qu'il y a des obstacles déjà qui sont semés sur la route. Hein. Donc, ils se plantent, ils restent paniquent. Dans la voie, il y en a un qui est blessé. Qui ne peut pas sortir. Qui ne peut pas sortir parce qu'il a la jambe cassée. Et donc, il le laisse dans la voiture et décide d'aller chercher de l'aide. Ils finissent par trouver donc cette fameuse cabane. C'est ça. Avec un monsieur qui leur tombe dessus un peu brutalement en disant que cette cabane leur appartient. Donc, l'un des deux snowboarders est plutôt reconnaissant. Voilà. Hein, il est reconnaissant. L'autre est plutôt méfiant. L'autre est très méfiant. Steven Bradbury est méfiant. Et même carrément... Il sent que c'est... Non, ouais. Ça ne peut pas le faire, il faut ça qu'on se casse. Ça ne peut pas le faire, ça ne va pas, il faut aller chercher notre ami et partir à l'hôpital avec lui. Alors que le mec ne fait pas... Mais il ne fait pas confiance... Tu n'as pas confiance en lui. Il est malaisant. Mais en même temps, il pourrait être malaisant, maladroit. Il est malaisant, mais il leur propose de rester, de les nourrir. Alors, il mange de la viande qui dégueule littéralement tout de suite. Donc, l'autre se marre et il mange quand même. Parce que c'est des trucs bizarres. Mais non, parce qu'il y en a qui est végétarien. Et en fait, celui qui refuse, bah, était que déjà braqué depuis le départ. Non, c'est celui qui n'est pas braqué, justement, je crois. Celui qui est braqué, qui est végétarien. Et qui, du coup, se retrouve à ne manger que de la viande. Donc, c'est un petit peu compliqué pour lui. Donc voilà, rien ne va, et en fait, lorsqu'ils retournent le lendemain chercher leur ami, qui à mon avis, ayant passé la nuit... Ah bon, et gelé. Et de toute façon congelé, mais il n'est pas là. Et il y a des traces de corps traînés, en fait, dans la neige. Et l'enfer commence. Et donc le premier chasseur dit, ah ben, c'est mon partenaire, c'est mon pote,
qui est venu certainement sauver votre ami. On va le retrouver à la cabane et c'est là que l'enfer commence. Exact. Alors, pour l'histoire, c'est classique, je veux dire. Enfin, c'est classique si on prend le principe du jeune accident, tombe sur des gens. Cabane isolée, cannibale. C'est ça. Bon, l'idée de la dèche est bien. Oui. Par contre, ce qui est vraiment bien dans le scénario, c'est cette longue attente avant de mourir et les tortures qu'ils subissent, étant donné qu'ils prélèvent des morceaux de chair pour les goûter et ils préviennent quelqu'un qui doit faire avec eux le commerce donc, de cette viande, parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, ce n'est pas la première fois qu'ils font ça. Non, ce n'est pas les... Voilà, et donc, c'est un commerce de longue date. Et donc, du coup, en fait, les pauvres sont vraiment... dépiauté petit bout par petit bout. Voilà. Et ils finissent en apéritif. Par grand bout d'ailleurs. Par grand bout. Sachant qu'en plus, voulant absolument qu'ils puissent vivre et donc que la viande reste bonne, ils s'obstinent à essayer de les nourrir avec les morceaux d'autres humains. Donc en fait, c'est un petit peu compliqué pour eux. C'est horrible. Donc bon, voilà. Au niveau des effets, c'est un gros point fort parce que c'est un petit film, mais c'est. Bien sanglant. C'est très sanglant et c'est très intelligent parce que c'est pas que du sang. Il y a de la barbaque, il y a des abats, on patauge. Ah, bon, on voit le corps humain là. On patauge dedans. Et voilà. On a vraiment mal pour les personnages. C'est vraiment plus long, c'est lent. C'est vraiment. Tu te demandes comment ils vont s'en sortir. Ouais, c'est éprouvant en fait. C'est éprouvant de suivre. Et on est vraiment pris tellement d'empathie pour nos héros, on va dire que on ne veut pas qu'ils meurent. Et en fait, on pique un peu des colères parce que des fois ils font. Mais qui est con? Pourquoi il a pas... Fais pas ça! Comme devant tout film, mais peut-être qu'on est plus impliqué, plus empathique quand on voit ce qui les attend et ce qui les attend. Et en même temps, c'est pas ce qu'on serait déjà pas peut-être à leur place. Nous, mais, tout à fait. Donc, au niveau des acteurs, ils jouent bien. Pas de soucis. Ouais, je me souviens surtout que le méchant qu'il voit, encore, il peut paraître malaisant, il serait tombé sur l'autre, il se barre tout de suite. Ah non, mais l'autre, de toute façon, c'est pour ça que c'est pas lui qui aborde les gens. Hein, c'est parce avec que d'entrée. En fait. Voilà, d'entrée on s'en va. Hein. C'est un petit. Et voilà. Ils sont limite la colline a des yeux. Ah, oui. On est limite sur des gens un peu dégénérés quand même. Les acteurs jouent bien. Franchement, ceux qu'on voit, ils jouent bien. Et je pense que le réalisateur, le pote, c'est le premier qui meurt. La photographie. Alors c'est sous la neige, c'est joli. Oui. C'est très sympa, moi je trouve. C'est bien fini. La maison est glauque. Même en huis clos, c'est pas mal fait. Ouais. C'est les lieux portent leur histoire. On n'a pas envie d'y être. As-tu un coup de cœur? Mon coup de cœur, c'est la violence. C'est vraiment, on a envie, pas de tuer les gens, on a envie de vous prouver ce que c'est de souffrir. C'est cette torture qu'on leur inflige plus par plaisir que par besoin. C'est ça. De découper des petits morceaux et de leur montrer que ce qu'ils viennent d'avaler, c'est leur pote. Enfin, c'est tout le sadisme. C'est psychologique. Il y a du physique, hein, bien sûr, oui. Mais c'est psychologique à la base. Et c'est l'affreuse version de « vous pouvez pouvoir partir ». C'est ça. On connaît le terrain, on chasse ici. Vous ne vous en sortirez pas tout seul. Voilà, c'est ça. Je précise d'ailleurs qu'il y en a un qui a fait vomir intérieurement libellule. Je ne sais plus comment il s'appelait, le limace, la larve, le crado. Voilà, il avait un horrible, mais qui collait bien avec sa tête, on va dire. Voilà, c'est ça. Le crasseux. Voilà, c'est ça, c'est le crasseux, et du coup, il porte bien son... C'est horrible, d'ailleurs, c'est horrible. La révélation de fin est horrible, de toute fin. J'avoue que c'est éprouvant, voilà. On va dire qu'au final. Non, en fait, on part sur un scénario relativement classique. Et on se dit que tout va l'être. Et en fait, le déroulé est éprouvant plus qu'on ne pourrait l'attendre de ce genre de scénario, et c'est ça aussi qui fait le bien du film, c'est qu'il nous surprend. En passant vers de l'extrême qu'on n'attendait pas. Voilà. Tout à fait. Tu le noterais comment? Moi, c'est un oubliable. Pour moi, c'est presque un extrême. Donc, Non, mais... Il est hors classement! Oui, non, je sais pas. Oui. C'est pas faux d'un certain niveau. Oui, oubliez-moi. Moi, c'est oubliez-moi parce que ça reste un petit film, mais j'ai pas décroché mon regard. Il y a des choses qui vraiment t'accrochent et c'est ce qui fait le film. Ouais, oubliez-moi, c'est bien.
Je vous laisse vous faire votre... On voulait faire votre avis, comme d'habitude. Si vous l'avez vu comme d'habitude, nous laissons en com. Laissez-nous votre avis. S'il n'est pas le même que le nôtre, c'est toujours intéressant aussi. Qu'il soit pareil ou différent, voilà. On a tous notre avis. Et le principal, c'est d'en parler. Exact. Voilà. Allez, tchuss. Ben, si vous crevez, vite, alors, parce que... Si ma main, je te donne des coups de poing avec ma main. Pardon? Des câlins avec ma main. Tu crois, toi?